le stream est prêt, hein. Excusez-moi, j'aurais peut-être dû les MP. Bon match alors et que le moins mauvais gagne. J'aime bien cette vision des choses. Alors lancez vos pronostics dans le chat. Qui va gagner selon vous? On a vu Saucisse qui nous a dit qu'il serait plutôt partant pour dire que Rush is Coming gagnerait. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. N'hésitez pas. Alors, on attend. Est-ce qu'on va voir un bon gros rush du côté de Rush is Coming? Est-ce qu'ils vont bien porter leur dos? Je pense que oui, hein, quand même. Sur cette map, ça s'y prête plutôt pas mal. Même si c'est quand même très isolé. Enfin, en général, on a genre 3 persos plus 1 qui est un peu tout seul. On a toujours la possibilité d'avoir 2 persos quasiment face à face. Les joueurs qui sont en train de stresser, les mains tremblent, essayez de pas misclic, hein. Ne nous faites pas comme notre cher ami Zelda avec son misclic équipe. Et c'est parti du coup, Hésiode, le panda de la team rouge, Rush is Coming, qui va directement jouer devant et qui va aller chercher. Oh là là là, c'est très risqué ça. Il va prendre directement les Kefli, qui joue en deuxième du côté des push Cotoref. On va le mettre en plein milieu et ils vont partir du coup sur un bon gros focus de cet Kefli. Assez bien placé parce que du coup Bikini pourra pas aller le chercher avec une attirance. On va mettre directement des vulnés et du coup ça part sur un bon gros burst de 4 garous. On va booster PM Pixelion qui va du coup aller pouvoir placer son érosion. Il joue juste derrière. On va sûrement avoir un plaçage d'érosion. Est-ce qu'il va pas aller passer derrière 4 garous et essayer de le ramener encore plus pour l'isoler davantage? La réponse en tout cas du côté de Push Cotoref, c'est qu'on va placer directement le sacrifice. Du coup c'est notre cher Bikini qui prendra les dégâts à la place de son Ekaflip. Et du coup on ne pourra pas avoir une érosion très très efficiente sur Bikini puisqu'il a lancé qu'un seul. Effectivement c'est plutôt bien joué de sa part de ne pas se rajouter de l'érosion par rapport à celle qu'il a déjà. Pixillon qui va. Oh là 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 là, on part du coup sur un troisième, enfin sur un autre focus. On peut pas avoir les Gaflip, on peut pas avoir le Sacrilleur parce qu'on peut pas les roder en tapant sur 4 garous. Du coup, on part sur un focus de Roris, le Zobal. C'est intéressant parce que focus un Zobal avec de l'érosion, qu'est-ce que ça a comme avantage? Ça permet de baisser sa Vitamax et du coup de se mettre plus ou moins à l'abri de la mascarade. En réponse du côté de 4 garous, les Kefli de Push Cotoref, on va aller placer des beaux réflexes là à 407 et 429 sur Pixelion, les Kefli de la team Rush is Coming qui prend du coup de lourds dommages. Yoki qui va du coup cache TP, il va même pas aller placer de rempart. On va sûrement placer directement des glyphes, faire un petit peu de retrait PA sur Roris. On va éviter je pense que Roris n'arrive à placer son plastron. Ici il a une très très belle zone, le placement a été intéressant du côté des push Cotoref. La roulette PM qui a bien aidé d'ailleurs, faut quand même le dire. Oh là là, la glyphe retrait PA, c'est intéressant parce que du coup Roris s'il veut aller placer son plastron, il va devoir rentrer dans la glyphe et potentiellement perdre pas mal de PA. On verra si ça va l'empêcher du coup de placer son érosion. Du côté de Lolounette, eh bien, elle est toute seule, regardez la pauvre, il y a le match qui se passe loin devant elle. On dirait qu'elle est un peu spectatrice de ce match et elle va avoir à mon avis un peu de mal à avancer. Même si la roulette PM va quand même pas mal l'aider. D'autant que, on le rappelle maintenant, Lenny Ripsa a un sort de transposition qui marche sur les cibles stimulées et sur le Lapino, si je dis pas de bêtises. Côté Sadida, eh bien on est parti sur un mode burst, hein, on s'est plus ou moins préparé à une team, à un rush. Et du coup, on a placé une belle, belle ronce aggro à 442 sur Pixelion. Un mode terre-feu, je pense, sur cette Sadida du coup. Un mode vraiment burst. C'est intéressant, je trouve, le choix qui a été fait par cette team push Cotoref de choisir de faire des dégâts. On s'attend à ce que la team adverse rush. Du coup on va dire ok, on va les laisser rush mais on va partir nous aussi sur du burst, comme ça ils vont nous foncer dessus, ils vont nous rush probablement un par un et du coup on va pouvoir éventuellement placer des gros dégâts et répondre à ce rush par le burst tout simplement.
Enyrimsa qui a placé son lapin, le lapin, pour ceux qui ne savent pas, le mot stimulant a été complètement revu. Le don de PA est mono-cible, il dure 4 tours, et pour que l'Enyrimsa profite d'un don PA, il est obligé d'invoquer le lapin. Et du coup, c'est le lapin qui va stimuler son Enyrimsa. Alors, est-ce que le placement a été placé? Effectivement, il a perdu que 3 PA, je crois, dans la glyphe, voilà. 3 PA, le placement qui a crit à 1400, c'est assez énorme. C'est vrai que ça se balle quand même beaucoup de points de vie. On comprend un petit peu le choix de burst un petit peu d'Héro-Déroris pour éviter de se prendre des grosses mascas qui pourraient du coup faire assez mal. Allez, le panda Hésiode qui du coup va libérer, faire un petit peu de placement. On pourrait avoir éventuellement un jeu qui se passe de la manière suivante, c'est-à-dire un panda qui va essayer éventuellement de gêner l'équipe adverse, éventuellement d'isoler quelqu'un pour éviter qu'il ne puisse jouer et partir du coup sur un focus dans ce cas-là, en 4v3 un peu. Hésiode qui a essayé de porter son mecha-flip pour éviter qu'il ne se fasse trop burst, mais c'est sans compter que la stabi n'a pas été lancée du coup. Et on se retrouve avec une simple libé des tours et un gros burst là. Ça continue sur Pixelion, hein. Pixelion qui est mine de rien à 3600 vitamax, 2500 points de vie. Attention à cet Ekaflip qui prend énormément de dégâts sur ce début de combat. On est déjà à tour 2, il est déjà à 3600 vitamax, c'est très très peu. Il va falloir surveiller ça parce que si cet Ekaflip tombe, on perd son érodeur, on perd son damage dealer principal et ça va être compliqué. La roulette critique qui est lancée, parce qu'elle va profiter un petit peu à cette équipe du rush is coming, la libé pour essayer de détacler, il va récupérer les 3 PA en sortant de la glyphe. Roue de la fortune est lancée également, il lui reste 6 PA, il va pouvoir mettre du triple burst, bluff pardon, sur Rouris, Rouris qui descend à 5000 de Vitamax. On a pratiquement enlevé tout le plastron de ce Zobal. Côté 4 Garou, on va lancer une roulette Intel. Roulette Intel. Alors, est-ce qu'elle va profiter peut-être au Sadida, vu qu'il a un mode plutôt visiblement un peu terre-feu. On n'a pas eu le temps de voir quel élément utiliser le Nirimsa. On va placer du coup de l'érosion sur Yoki. Alors, on part sur un petit peu de. On change de focus là. Le Lekaflip a bien reculé. Et du coup on a un petit peu brisé cette technique de rush de la team Rush is Coming, puisque l'Ekaflip a pris tellement de dégâts qu'il a été obligé de sortir un petit peu de la mêlée, de reculer, et du coup on force une team qui joue sur le rush à temporiser, à jouer un petit peu plus défensif. C'est plutôt intéressant de voir un petit peu comment cette équipe de Push Cotorep a réussi à briser un petit peu cette stratégie de rush en passant tout simplement sur du contre-feu, du contre-rush on va dire. Par le burst. Allez, c'est Sadida qui du coup va aller placer une énorme. Regardez-moi cette herbe folle là sur le lapin. 5%, il a tapé à 535. Alors certes, il y a la roulette, mais ça reste quand même assez énorme. 275 sur Pixelion qui continue à descendre inexorablement. Est-ce qu'on va placer une folle? Ouais, c'est intéressant. Hein. C'est vrai que c'est un match qui est parti très très vite. En général, on a tendance à dire que la folle, il faut mieux la garder pour quand le match a commencé à s'installer et qu'on a plus tellement les PA à allouer aux rocks de la folle. Mais là le match est parti directement sur du rush dès le tour 1. Du coup placer la folle maintenant c'est intéressant parce que du coup l'Enyrimsa il va devoir choisir, il va partir sur du soin, il passe en mode soin et du coup c'est oh regardez moi ce beau déroutant. C'est vrai qu'on profite un petit peu de la roulette Intel. La folle qui a été éliminée. On a donc un Enyrimsa qui joue un mode feu. Roris qui du coup va fougue son Ekaflip. Son Ekaflip qui est il est safe. C'est vrai qu'il a pas pris de focus du coup. L'Ekaflip, c'est tout a été placé sur Roris. Et au final on n'a pas mis. Est-ce qu'on a mis tant de dégâts que ça? Regardez ça, Roris il est à 5000 points de vie, 4700 vita. Finalement c'est la team qui devait rush qui se prend le plus gros focus là hein. L'avantage est clairement à la team de Push Cotorep. On est parti sur un rush
un petit peu très très osé du côté des Rush Days Comics, avec un dégavli qui a foncé dans le tas, qui s'est pas mal explosé. Du coup, il a pris énormément de dégâts. Parce que c'est vrai que, à part le Fécam, on n'a pas tant de protection que ça. Hein. Allez, on va rapprocher Roris, on va essayer de continuer cette stratégie de focus sur le Zobal. Les unités qui sont placées. De toute façon, c'est ça, hein, quand on a décidé de rush, dès qu'on va placer, si on commence à se mettre un petit peu en mode défensif, bah, ce qui se passe, c'est qu'on perd, on perd l'initiative un peu du combat. C'est plus nous qui imposons le rythme du match. Les bikinis qui va coopérer le lapin dans la glyphe et qui va continuer le burst sur les Caflip. Oh là 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 là, le coup de pelle sombre qui crit 688. Pixelion qui, malgré le soin de son Enyrimsa, est descendu à 1300 de vita. Il va être obligé de contre-coup ou de lâcher une chance. Et c'est du coup la chance qui va tomber. Et du coup, on va partir sur. Oh, la roulette fuite qui est bienvenue là. Mais ça ne suffira pas à détacler Bikini, malheureusement. Eh oui. On a une team Rush Days Comics qui, sur ce début de match, tour 3, est un peu dans le mal. On a été obligé dès le tour 3 de lâcher les gros jokers tels que la chance. Et là, le problème, c'est qu'au prochain tour, on va être, je pense, enfin, même ce tour-ci, on va être obligé de trêve pour temporiser les dégâts x2 de la chance, parce que bah, sinon, ils ont absolument rien pour save cet Ekaflip. Ils n'arrivent pas à placer les dégâts. La team adverse contre-car à chaque fois. Empêche le placement, a mis tellement de focus sur les Caflip que du coup leurs persos sont obligés de jouer un peu plus défensif et donc de moins burst. Et du coup, ben, cette team qui devait essayer de tuer quelqu'un très rapidement, elle est plutôt sur la défensive. Elle n'arrive pas à poser vraiment son jeu et là elle est obligée de temporiser un petit peu. Donc, je pense que vraiment la trêve va être quasiment obligatoire. Sinon Pixelon va tomber. On va voir ce que va choisir Yoki du coup, est-ce qu'il va trêve ou est-ce qu'il ne va pas trêve, c'est toujours un petit peu un choix délicat. Il lui reste 3 PA. Il hésite, on est déjà à la moitié de son tour. Salut à toi Okri qui vient de nous rejoindre. Et ouais voilà, ah ce sera un bastion sur lui-même. Ah, il s'est auto-bastion et du coup il a laissé son Ekaflip safe. Le problème c'est qu'au prochain tour, moi je pense que, enfin, genre 4 Garou, bah, il va le tuer. Hein. 1200 points de vie. Même si l'Olounette arrive à soigner un petit peu, ce sera jamais. Enfin, je pense pas que ce soit suffisant quoi. L'infection qui est placée du coup sur l'Olounette. On va mettre un donut pour essayer de temporiser un petit peu éventuellement les dégâts, c'est très bien joué. Ouais, Saucisse, bah, je pense qu'en fait, à trop vouloir. En fait, le rush c'était une bonne idée contre cette team. En fait, rush c'est pas juste foncer dans le tas bêtement. Et roxer, faut vraiment. C'est toute une science le rush. Faut le faire de manière intelligente, faut le faire au bon moment. Faut pas hésiter à attendre un petit peu avant de rush parfois, hein. C'est vrai que ça peut être une bonne solution. Alors après contre une team sacrée, il vaut mieux pas attendre. Mais ils ont, ouais, exactement, Saucisse, ils ont trop forcé le rush au T1. Limite, ils auraient presque dû burst sur le perso qui était sacrifié éventuellement. Parce que là, les Caflip, enfin, il a rush sur le Zobal, il s'est complètement explosé. C'est surtout ça en fait, plus que le fait que l'ennemi se soit retrouvé isolé, je pense que c'est vraiment l'exposition, la surexposition même de l'Ekaflip qui leur a coûté très cher. Ça c'est une team qui joue aussi un petit peu sans debuff, hein. Le seul debuff c'est le panda, c'est pas forcément le debuff le plus souple. 2 PO de debuff, un seul tour de debuff, c'est assez faible hein, finalement. Ezio du coup. Qui, bah, pour le coup, est un petit peu isolé également. On a eu un gros tour de soin hein, sur les Caflip, mine de rien. On a réussi à le remettre full life. Mais du coup, il va se retrouver en début de tour en dégâts x2. On va reculer les Caflip. Et on va sans doute continuer le focus sur le Zobal. Hein. Ça permettra également à les Caflip de s'éloigner de les Caflip adverses.
l'écoflip rouge, de s'éloigner de l'écoflip bleu, pour être plus clair. Bikini qui va aller burst et tacler le Feka. Feka qui se retrouve donc à 2400 de Vita, il a été érodé. J'avais pas vu qu'il avait été érodé, du coup c'est assez intéressant parce qu'on a un Feka qui est à 2900 de Vita Max, Pixelion qui du coup a été un petit peu moins érodé, mais qui se retrouve ce tour-ci en, en dégâts x2. Alors on va être Malusuit qui cette fois-ci ne profitera pas à cette team des Rush is Coming. Et on va continuer du coup le focus sur le Zobal, on replace l'érosion mais on joue sur du dos naturel. Pour le coup ça, ça réduit pas mal l'érosion, 4800 de Vitamax sur ce Zobal. Et on termine son tour avec un Odora, histoire de placer un maximum de burst sur le prochain tour. Pixelon qui prend également le Poison Para, et effectivement hein, comme j'ai dit, le fait d'avoir éloigné le Feka, c'était intéressant dans le sens où le Feka, pardon, l'Eka, il va être obligé de se full boost PM pour aller profiter des dégâts x2 sur Pixelion. Oh, le boomerang perfide qui passe à 1200, alors ça c'est quand même un gros coup de chance là d'avoir un jet profitable. Il s'en excuse hein, d'ailleurs, hein. Il s'en excuse. Oh là 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 là. Un petit coup de chance là pour le coup. Mais bon, ça arrive. Pixelion qui du coup se retrouve à 1400 de Vitamax. On est toujours en dégâts x2. On a encore un Sadida qui pourra mettre peut-être éventuellement deux belles ronces. Et du coup, la trêve est lancée maintenant. Je pense qu'elle aurait dû être lancée au tour d'avant. Parce qu'au final, quoique, il y a quand même le Zobal qui aurait pu faire de gros dégâts. C'est-à-dire que soit on l'a lancé avant, on évitait le burst éventuel de l'Eka Flip. Alors bon, il se trouve que ils avaient plutôt bien évité le burst de l'Eka Flip, ils ont juste pas eu de chance sur le jet du boomerang, hein, une chance sur 4 d'avoir un gros jet. Du coup c'est pas forcément si stupide de la lancer maintenant, ça permet d'éviter le burst éventuel du Sadida et du Zobal qui aurait pu être quand même assez conséquent. Debuff de Roriss, qu'est-ce qu'il avait Roriss? Il avait de l'érosion, donc du coup on debuff l'érosion de Roriss. C'est bien vu, hein, c'est bien joué, on est sous trêve, du coup le seul moyen de faire des dégâts sous la trêve c'est de profiter de l'érosion, et l'érosion n'avait été placée que sur Roriss, du coup Roriss est plutôt safe sous ce tour de trêve. Les points de bouclier sont placés sur Yoki avec un mot de prévention. Et on va continuer à soigner Pixelion pour essayer de compenser un petit peu ce... Ouais, exactement ceci, je suis assez d'accord avec toi. La trêve est plutôt... C'est vrai que c'est mieux de l'avoir lancée maintenant. Du coup, ça va être au tour de Roriss, qui va aller continuer à placer les dégâts sur l'érosion de ce Feka. Et on va même aller mettre la Masca. Roriss qui, Yoki pardon, qui descend à 2502 Vitamax. Le boost PM sur Pixelion qui va être en sortie d'Odora, donc en malus PM, boost PA, c'est très bien joué. Très beau duo là de ce Panda Eka. On va éloigner le Sadida. Alors je pense que par contre le choix d'éloigner le Sadida c'est pas forcément le meilleur, étant donné que le Sadida est une des classes qui profite le mieux d'être loin de la mêlée. Il suffit qu'elle arrive à placer un petit peu son érosion, son infection pardon, et elle peut quand même réussir à, dès qu'elle va infecter une invoque, à quand même placer ses dégâts. Je pense que pour le coup par exemple essayer d'isoler peut-être le Sacri ou le Zobal, ça les force à passer tout un tour à revenir, ça les force à claquer des cooldowns importants tels que la transpo. Et voilà du coup Bikini qui va jouer pour son Zadida avec une belle transpo. J'imagine qu'il va essayer de revenir un petit peu, mais pour le coup c'est lui qui va se retrouver un petit peu gêné par le jeu des iodes, le panda. Il faudra quand même faire attention à cette coopération parce que du coup l'isolation des iodes pourrait se retourner contre lui. Autour de Pixelion du coup, qui est toujours en trêve, qui va aller sans doute replacer l'érosion.
Alors on a quand même réussi à bien temporiser le gros burst qu'on avait pris hein, du côté des rushes coming. Ceci dit, si on regarde un petit peu l'érosion, on a un net avantage pour la team push Cotorep, même si Roriz commence à s'être pris un bon mille d'érosion. Mais les rushs, les push Cotorep ont placé un peu plus d'érosion de leur côté. Regardez, ils ont mis Yoki à 2300 de Vitamax, c'est très très peu. L'érosion qui est replacée également sur ce Faker. Pixelion est aussi descendu à 3100 de Vitamax. On a quand même réussi à faire 3000 de dégâts d'érosion sur ce match du côté des push Cotorep, tandis que du côté des rush is coming, on a mis à peine 1000 points de vie d'érosion. Ça tient au fait tout simplement qu'on a été obligé de temporiser un petit peu les dégâts qu'avaient pris les Kaflip. Exactement saucisse. Le Feka qui va faire un petit peu d'entrave là sur ce milieu de tour 5. Alors, le Doppel Feka qui continue un petit peu son kick de stat tranquillement. Et ça va être du coup autour de Mizu qui va sûrement aller burst un petit peu le Feka. Et non, on va replacer le don naturel. Le don naturel qui a placé quasiment tout le temps sur 3 personnes du côté de la team Push Cotorep. Placement, ils gèrent bien leur placement. La folle, ça y est, qui est arrivée au tour 5. C'est une bonne chose de l'avancer maintenant. Elle avait été lancée, on le rappelle, tour 2. Du coup, c'est le cooldown qui revient. Elle avait été tuée quand même. On avait pris le temps de la tuer du côté de cette Eneripta. Et j'ai l'impression que ça va être encore le cas. Voilà, avec un énorme mot déroutant. On passe quand même 9 P1 pour tuer une folle. C'est assez énorme. La pression que peut mettre cette folle, elle monopolise toujours quasiment le tour complet d'un personnage, à moins qu'il y ait un Énutrophe. Allez, 5 PA sur le 7 Eneripsa, on va prendre un mot de sélection. C'est un sort qui tape en croix et qui soigne les alliés et qui blesse les ennemis. Ça permet effectivement de remettre un petit peu de soin sur les Kaflip. Les Kaflip qui du coup se prend d'énormes bullish là. On descend dangereusement. Il n'y a pas d'érosion sur Pixelion, mais ça permet quand même de forcer des cooldowns, de forcer du soin sur cette Kaflip qui prend des dégâts et qui va être obligé d'être protégé. Allez, Hésiode, du coup le Pandawa qui va revenir un petit peu dans la mêlée. Balancer les souillures sur le The Ball. C'est un petit peu dommage, ça débuffe un tour d'érosion. Ça permet cependant de virer le Donat, donc c'était un choix à faire. Et là voilà, on va avoir l'isolation des Iodes qui va se retourner un petit peu contre lui. Très bien joué de la part de Bikini là, hein, qui permet de faire en sorte que le panda perde son prochain tour. Il va être tout son tour à revenir. La roulette chance qui ne profitera pas trop sur ce combat, je pense. Peut-être un peu aux The Ball, il était surtout Dopu. On va aller chercher la zone érosion, ça permet de mettre les dégâts sur deux personnes, sur le The Ball et également de descendre un petit peu Bikini. Oui, c'est ça, Bikini, le Sacrieur. Roriz qui commence à descendre progressivement, 3200 de Vitamax. Oh, le chaton qui profite pour le coup, lui, de la roulette chance. Alors, Isanulette, oui, on tire les matchs juste après ce match, enfin, juste après les matchs de 22h. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui se sont terminés, je vais actualiser un petit peu les résultats pour voir ça. Non, les matchs sont toujours en cours. Voilà, voilà. Du coup, Katz qui revient avec des boosts PM, qui va aller tuer le chaton, c'est bien vu. Alors, le chaton va aller soigner son petit
son petit Zobal, le Yuki qui continue l'entrave. Hein. Au final, on a une team rush qui se retrouve avec un Eni Soin, un Fekka entrave, un Panda placement. Et ils ont juste les cas pour Burst. C'est peut-être un peu dommage, peut-être qu'ils auraient dû mettre un peu plus de dégâts, soit sur le Panda, soit sur le Fekka. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, le match de demain, c'est vrai qu'il y a un match demain. J'avais complètement oublié ça. Izen, t'as bien fait de me le rappeler. On verra ça avec avec notre ami Alifake quand il aura fini son match et qu'il nous rejoindra. Du coup, le tirage se fera peut-être que demain soir, effectivement, après le match. On verra ça avec lui. Bonsoir à toi, Hiromi. Alors, on va replacer un arbre. On va mettre l'infection sur Pixelion. La bloqueuse qui se passe parfaitement bien, qui va bien bloquer le Lunette. Est-ce qu'on détacle du côté de la lunette? Non, on ne détacle pas. On va stimuler son Ekaflip, histoire de lui booster un petit peu en PA. Allez, bon, on se PA, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement tuer la bloqueuse. Non, on va passer sur du soin. Un mot déroutant qui soigne à 700 et qui booste 150 de puissance. C'est assez énorme hein, ce sort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment bien, bien, bien puissant. Effectivement, Uzen, je suis assez d'accord avec ton commentaire. C'est vrai que partir sur vraiment du rush avec un Eni haut, partir sur un Fekka qui fonce dans le tas, qui gravita, qui du coup profitera du soin des dégâts des sorts hauts. Hein, puisque pour ceux qui ne connaissent pas trop le nouvel Eni, faut savoir que quand tu tapes avec un sort haut sur un ennemi. Tous les alliés qui sont autour de l'ennemi que tu as tapé sont soignés dans une case de deux zones, enfin dans une zone de deux cases plutôt. Du coup effectivement c'est intéressant à jouer comme ça, avec un ennemi haut qui du coup soigne autour des ennemis, un Fekka qui est dans le tas, qui profite des soins de l'ennemi Ripsa, un Eka qui peut également aller dans le tas pour profiter aussi des soins et placer l'érosion, et du coup avoir un panda qui va éventuellement prendre une à deux personnes et les envoyer à chaque fois loin du combat. Et un petit peu se retrouver du coup un peu en surnombre. Ouais, après il faut pas. Oui, effectivement, c'est vrai que tu nous avais dit que c'était la compo qui vous faisait peur. Ceci dit, bon, faut voir que c'est aussi le premier match, hein, c'est le nouvel Eni Ripsa, faut s'y habituer. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à bien placer leur jeu. Ils sont partis sur une isolation, ils ont été bien contrés par le sacrifice, du coup ils ont rush un petit peu, pas bêtement, mais ils ont rush peut-être un peu trop rapidement, un peu trop vite, et du coup ça s'est un petit peu retourné contre eux, ils ont mis beaucoup de temps à contrebalancer un petit peu les dégâts qu'avait pris leur Ekaflip. Ceci dit, le match n'est pas encore joué, hein. Les deux équipes les rushs Iskomix ont réussi à temporiser même s'ils ont pris énormément d'érosion, hein, regardez ça, Pixelion 2200 de Vitamax, leur Fekka est à 1900 de Vitamax, même Enirisa a pris un peu de dégâts. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi Izen. C'est une compo qu'il va falloir suivre, qui a beaucoup de potentiel, et je pense que même si sur ce tournoi ils n'arrivent pas forcément à, même si éventuellement sur ce tournoi ils pourraient ne pas s'exprimer énormément, je pense que c'est une team qui, enfin c'est une équipe, si je me rappelle bien, qu'on va retrouver sur d'autres tournois, et je pense qu'ils ont une grosse marge de progression, et ils ont une compo qui est très intéressante, qui peut faire beaucoup de choses, donc à suivre je pense sur la suite de ce tournoi, même si le match, en fait, c'est surtout le début, ils ont mal commencé, là ils arrivent quand même à placer un petit peu les dégâts. Hein. Faut bien voir ça. Mais bon, on a Pixelion qui prend d'énormes dégâts là ce 1, 2, 3, sur ce tour-ci. Pixelion qui a plus que 2500 de Vitamax. Et 1000 points de vie effectifs, l'ATP dans le glyphe, et là ça pourrait être intéressant d'essayer peut-être de bloquer quelqu'un éventuellement, mais là il s'est taclé tout seul sur la bloqueuse. Le
le bastion qui est lancé sur les Caflip qui sera du coup immunisé aux dégâts à distance. Peaux dégâts de ce Sadida, j'aime beaucoup le mode qui a été choisi sur ce Sadida, je trouve ça très très intéressant le choix d'itemisation de cette team bleue. Franchement je suis vraiment surpris de cette équipe bleue parce que ils ont une compo qui aurait pu vraiment être ravagée par un rush, par un très bon rush. C'est une team Sadida, c'est une team qui a besoin de temps pour scale un peu, pour pouvoir placer vraiment son jeu. Et au final, ils ont choisi des modes de jeu très agressifs avec beaucoup de dégâts, notamment sur le Sadida, avec un mode vraiment très bourrin, mono-cible mais très bourrin. Et du coup, ça a vraiment complètement annihilé le burst, enfin le rush de l'adversaire, puisqu'ils ont réussi à mettre tellement de pression sur cette équipe qu'il a été obligé de reculer. Et du coup, le rush s'est retourné un petit peu contre eux. Le mode d'altruisme qui a été lancé sur. Sur toute la team, ah non, c'est un mot. Attends, mot revitalisant, je crois que c'est le nouveau mot d'altruisme. Très très beau soin, hein, du coup. On a remonté un petit peu la vie de Pixelion, mais bon, on voit qu'il y a eu quand même pas mal d'érosion. Alors, du coup, est-ce que ce serait pas intéressant d'essayer d'exploiter la refonte un peu du mot de reconstitution? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le mot de reconstitution maintenant. Ça a toujours pour effet de refouler complètement l'habitat d'un allié, mais ça va en plus infliger des dégâts à toutes les personnes qui sont autour, au corps à corps de cet allié, en fonction des points de vie érodés. Donc plus ton allié a été érodé, et c'est le cas par exemple pour le Feka, c'est le cas également pour les Caflip, et plus tu prendras des dégâts, un peu comme le jet indexé sur l'érosion de la destin. Ça pourrait être éventuellement intéressant, vu l'érosion qu'ils ont prise, d'essayer de se servir de ce sort de manière un peu offensive. Pourquoi pas? Alors, Bikini qui va se replacer un petit peu au centre de la team adverse. On va mettre un transfert sur son Sadida qui avait pris un petit peu de dégâts, et on va passer sur quelques dégâts sur les Nirepsa, mais c'est surtout pour le placement hein, qu'on s'est mis là. Pixelion qui du coup va aller sur qui est-ce qu'il va aller placer ses dégâts? Les Caflip de la team Rush is coming. Le Zobal est trop loin maintenant. Le problème aussi, peut-être que le focus du Zobal n'était pas si judicieux que ça. Certes, ils se sont mis safe de la masca, mais ils ont pris tellement de dégâts ailleurs, et au final, le Zobal a pu être mis un petit peu safe. Est-ce qu'un focus Sacrior n'aurait pas été plus judicieux? Ça aurait pu permettre de se safe un peu du sacrifice, mais bon. Ah, c'est vrai que, maintenant que j'y pense, la compo push contre est quand même ultra solide, hein, regardez ça. Vous avez le Sacrior, vous avez le Zobal. Donc vous avez théoriquement la meilleure classe tank du jeu, le Sacrieur. J'ai mis d'énormes guillemets, hein, attention. vous avez un Zobal qui est la deuxième grosse classe un peu tank du jeu, qui va pouvoir augmenter les points de vie, donc du coup avec tous les points de bouclier. Vous avez un Sadida qui va pouvoir mettre un Donut, donc répartir en plus les dégâts sur des persos plus ou moins tanky. Et en plus de ça, si jamais il y a vraiment un perso qui est mal en point, vous avez la chance des Caflip. C'est vraiment une compo qui va être très difficile à tomber, hein, je pense, cette push Cotorep. Alors, est-ce que le Feka de la team Rush is coming est un petit peu... Ouais, éventuellement. C'est vrai que... Je sais pas si... Je pense effectivement que le fait de TP Gravita, essayer de bloquer quelqu'un pendant que le panda fait les placements dans la Gravita, ça aurait été... plus judicieux sur ce genre de compo à exploiter, comme tu nous le dis, Saucisse. Il manque peut-être un petit peu de burst, oui, c'est vrai que son optimisation est pas peut-être pas optimale. Allez, on va faire des gros soins, des bons soins là, sur
sur les kiaflis pour remonter un petit peu l'habitat de tout ça. Et pendant que Yoki, regardez-moi cette érosion qu'il a prise. Pour le coup, effectivement, si on avait eu un Fekka un bon gros Fekka tank qui aurait pu bien tacler, avec l'érosion qu'il a prise, on aurait mis un mot de reconstitution dessus, je serais curieux de voir les dégâts. Je sais pas si les gens dans le chat ont testé un petit peu les dégâts du mot de reconstitution. J'avoue que je sais pas à quel pourcentage c'est 20% d'érosion, parce que 20% serait pas énorme. Ça ferait autant que les dégâts juste du jet d'érosion de la destin, ce qui est pas franchement folichon. Je sais pas combien c'est, je crois que c'est 50%. Je sais pas si c'est écrit dans la description du sort d'ailleurs. Si des gens connaissent un petit peu le nouvel Eniripsa, ils peuvent nous répondre dans le chat. Sinon, on ira chercher ça tout à l'heure. Allez, du coup, Hésiode qui continue un petit peu son travail d'éloignement. Il arrive quand même à bien faire. Son rôle, hein. Je pense que le rôle vraiment de ce panda dans cette team, c'est vraiment de prendre quelqu'un, de l'isoler et de faire en sorte qu'il passe son tour à utiliser tous ses PA à revenir pour qu'il puisse pas mettre de dégâts. Et le choix des cafés peut être assez bon, je trouve, pour le coup. C'est bien mieux d'essayer d'isoler les cafés plutôt que le Sadita comme on avait, comme c'était le cas au début. Certes, les Gaflip peut revenir avec des bons du félin, des odorats, mais du coup, il utilise beaucoup de PA pour ça. Allez, autour de Pixelion. Ouais, je me demande vraiment si le focus sacrilleur aurait pas été vraiment la chose à faire. Dès le tour 1, il y avait eu un sacrifice qui avait été lancé, et du coup, ils avaient la possibilité de mettre les dégâts sur le sacrilleur. Qui certes était pas énormément érodé, mais il y avait quand même 5% d'érosion plus les 10% de base. Ils auraient pu commencer à lui mettre des dégâts comme ça, je pense. Après, autre choix discutable aussi dès le début du combat, on a eu isolation de l'Eka Flip. Isoler le seul perso érodeur, enfin ramener le seul perso qui érode de son côté, sachant qu'il joue pas. Qui joue assez vite hein, finalement. Regardez, il jouait deuxième hein, donc il y avait juste les cafés qui pouvaient passer dessus. C'était peut-être un petit peu risqué. Je pense que c'était pas le meilleur perso à isoler. Qui que ce soit d'autre, ça aurait été plus intéressant parce que même si c'est des classes qui sont assez mobiles qui auraient pu rentrer, au moins ils auraient pas pu passer d'érosion directement. Allez, Yoki qui du coup a été chance hein, là. On a un Fekka qui est vraiment en sursis. 900 Vitamax, 400 points de vie, 500 points de vie même. Certes, il pourra pas être tué ce tour-ci grâce à la chance, mais je pense que le prochain tour, je vois pas comment il pourrait survivre. Même une trêve, il se ferait tuer par des Dopu. Poison paralysant qui est placé sur Yoki, c'est bien joué ça parce que du coup il sera. Ça permettra de lui mettre des dégâts même s'il y a une trêve de lancer. Allez, le lunette qui va stimuler Yoki. Et on va mettre de bons gros mots déroutants sur. Sur le Sadita qui descend hein, quand même mine de rien, 2500 de Vita. Je pense aussi qu'il y a eu peut-être un... Ils ont eu du mal à focus quelqu'un, cette team rush is coming. Ils sont partis sur un rush d'abord sur une isolation de l'Eka Flip, mettre du beurre sur l'Eka Flip. Ils ont pas pu à cause du sacrifice, du coup ils sont partis sur le Zobal pendant plusieurs tours, 3-4 tours, où ils ont vraiment essayé de focus le Zobal. Le problème c'est que le Zobal a toujours été mis un petit peu à distance, du coup il fallait aller chercher à chaque fois. Ça dépensait pas mal de ressources pour aller chercher ce Zobal. Ensuite ils sont passés un petit peu très rapidement sur le Sadida. C'est le problème aussi de cette team des Pouches Cotorep, elle est difficile à focus. Ils ont tellement de possibilités de survivabilité avec le Sacrilleur, les Cafilip, le Zobal,
Même le Sanita. On continue le burst sur le Sanita Mizu musicienne. Ah, oh là là. Il se fait tard. Après 4 matchs de stream, j'avais même pas remarqué le jeu de mots de ce Sanita. Du nom de ce Sanita, pardon. Allez, bikini. Là, du coup, allez isoler les cafés adverses. Continue à mettre de bons dégâts avec sa pelle de la course sombre. On a donc le Fika qui Yoki pardon qui est porté certes mais qui est en dégâts x2. Pas eu de stabilisation lancée par par le panda. Du coup on va probablement avoir le kill Fika ce tour-ci. Le 4KO qui n'aura qu'à faire un petit destin ou même une libé pour faire tomber Yoki et à lui mettre je me demande même si une flamiche ne suffirait pas à le tuer avec les dégâts x2. Et on a Mars qui me rejoint. Salut Mars. Salut Panda. Tu viens me sauver la vie. Parce que je dois bien t'avouer que je commençais à fatiguer un petit peu. Ouais, je suis désolé, j'avais beaucoup de choses hier à la fin là. Non, t'inquiète, y'a pas de soucis. On est sur Lily. Oui, justement, j'ai pas de perso sur Lily. C'est ce que alors, je vais te laisser créer, du coup, t'auras juste à m'ajouter. T'as des bons tirs OS comme d'hab, si tu pourras me rejoindre. Alors on est sur un match assez intéressant, surtout au niveau en fait très stratégique, parce que il y a eu la team Rush is coming qui est partie sur une stratégie vraiment burst, enfin rush, et du coup en face on a choisi de se mettre des stuff très très burst. Du coup quand les K-Flip de Rush is coming à Rush dès le tour 1, bah il s'est retrouvé face à 3 persos qui lui ont vraiment éclaté la gueule. Il n'y a pas d'autre mot, il s'est retrouvé quasiment mid-life très rapidement. Et du coup leur stratégie de Rush a été un peu contrée juste par le burst qu'ils se sont pris. Et là ils sont vraiment en difficulté parce qu'ils ont été énormément érodés. On a un Fekka qui a pas tardé à tomber, il est en dégâts x2 avec 900 de Vitamax, 200 points de vie. Je me dépêche de créer mon petit perso sur Lily. D'ailleurs, c'est la première fois que je passe sur serveur, c'est sympa. Ouais, première fois qu'on est sur Lily. Et apparemment, tu donnes fin à Gondawa. Ah avec ouais, ton non, pseudo. Mais... à la base. Et je t'avoue que rien que d'y penser, je commence à avoir. Ah, moi, j'ai une place à Gendas qui m'accompagne à côté. Arrête là. Ça. J'ai pu regarder Game of Thrones avec. Ah, j'étais bien. Ah là 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 là. Alors on est au tour 10, on va avoir le tour de l'Eniripsa. Et du coup c'est la première fois qu'on voit les Eniripsa en tournoi sur One Shot. C'est un peu comme ça aussi qu'on a choisi ce match. Le mode d'envol, premier mode d'envol hein, de ce match qui a permis de contrer un petit peu l'isolation de l'Ekaflip. Ah, je viens de te voir, attends je vais te couper. Ah, hop. C'est bon, ouais. Tac. Voilà. Ah, hop, je déplace un petit peu la timeline. Alors, on est en 1, 2, 3. On est toujours en 4v4, mais on a un Fekka qui est presque mort. Si tu vois ça, il est en. Pour l'instant, il est encore en dégâts x2. En plus, il est en dégâts x2. Ouais, il est en sortie de chance. Alors, je crois, oui, on n'a pas vu. Hein. Le temps que t'es arrivé, il y a eu une trêve de lancer. Du coup, c'est pour ça qu'il est toujours pas mort. Mais là, regarde sa Vitamax. Il a 976 de Vitamax, quoi. Et pareil, alors il y a Flip Pixelion, il est en contre-coup là, je crois. Ouais, c'est ça, il a un contre-coup qui va bientôt se terminer. Il est à presque deux, à peine 2000, je crois qu'il a 1900 de Vitamax. Tout juste. On a pris énormément d'érosion. Et en fait, cette team qui voulait rush, bah, elle a eu beaucoup de mal à avoir à focus. Elle a commencé par le Zobal, qui est bien descendu, mine de rien. Il a commencé le combat avec 5500 de Vita, je crois. Donc il a pris quand même pas mal d'érosion, 2000 d'érosion. Après ils sont passés un petit peu sur les K-Flip rapidement, puis sur le Sadida.
Mais ils ont eu vraiment beaucoup de mal à avoir un focus bien déterminé. Après, c'est toujours un petit peu. Enfin, pour moi, hein, quand tu joues Faker et que tu joues Gravita, y a le SRAM il est au-dessus hein, de l'écart. Pour moi, vraiment. C'est vrai. Après, si c'est des amis, choses comme ça, Oui. peut comprendre. Après, enfin, c'est une remarque qui avait été faite dans le chat sur le un peu l'italisation du Faker parce qu'il a pas des masses de tac, pas des masses de res, et du coup il peut pas vraiment TP Gravita, tu vois. Enfin, il peut pas vraiment bloquer quelqu'un avec un stuff comme ça. Et c'est peut-être ce qui manque parce que vu leur compo en fait, ce qu'on avait pensé avec les viewers, on en avait discuté pas mal sur le chat, c'est genre un ennemi qui joue plutôt haut avec un Faker qui TP Gravita. Bloque les gens avec lui dans la Gravita, du coup il profite en plus des soins des sorts haut de l'Eni Ipsa qui soignent les ennemis, autour des ennemis, Ouais, du coup avec la main, ouais. l'Eka Flip qui vient qui burst et le panda qui prend quelqu'un et qui l'empêche de jouer en le repoussant à chaque fois. Du coup on se retrouve un peu en 4v3 dans la Gravita et ça aurait été vraiment intéressant je pense comme mode de jeu et peut-être plus adapté à leur compo. Niveau 1, je peux pas envoyer de... je peux pas envoyer de MP, je Ah peux oui, pas tu envoyer peux pas. MP. Ah, la déception, je suis désolé. La tristitude. Avec des aveuglements, du coup, la folle qui a pu être replacée, en plus elle a pris le plastron, donc là elle risque pas de tomber. Ah là là, bastion, rempart, on lâche tout. On va essayer de survivre encore un peu du côté de ce Feka. C'est le dernier match de la soirée celui-ci, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oh là 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 là. La belle ronce insolente. Et oui, l'infection qui a été bien bien placée maintenant. Comme bah, ils ont pris tellement de pression que du coup ils ont pas le temps de tuer la folle tout simplement. Et bah, on a eu un debuff de toute la team, enfin non pratiquement toute la team. Trois persos. Et du coup bah Yoki a perdu son Imu, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est difficile, difficile. Ah ouais, non mais là je Alors, pense le que lunette. ça risque d'être compromis. On a même eu un GG qui est tombé. Ouais, le lunette qui est complètement bloqué par Sri. Après, il y a le nouveau mode en vol. Je sais pas s'il a utilisé CD tout à l'heure. Il l'a utilisé ouais juste Ouh! quand tu es venu en fait, quand tu étais en train de créer ton perso pour détacler les cafés du Sacré-Cœur. Il fait quand même de beaux dégâts hein, mais le truc c'est que du coup vu que les cafés ont pris énormément de dégâts en début de combat, il a passé beaucoup de temps à soigner plus qu'à faire des dégâts. Du coup, Lini qui est complètement coincé par Bikini. Alors, Rory qui est bien bien rentré dans ce combat, on va spammer les devant bad, on va un petit peu rentrer dans le tas. Est-ce qu'on a des. On pourrait mettre une torto sur, voilà, sur Moutsisk. Oula, c'est difficile à prononcer. Bah en fait, tu vois, j'ai Le trouvé. Sadi, le Sadi. Ouais non mais en fait c'est musicienne ou musicien. Ah, Musicien. d'accord, Ouais non mais je te dis, oui. j'ai trouvé ça il y a genre 2 minutes avant que t'arrives. J'en Donc imagine pendant tout le maintenant. combat je l'appelais Muti Shiskien. Ah, c'est génial. C'est génial. Du coup, bien joué, on vient tacler. Oh, par contre, on a une belle fuite sur Musicien là. Il vient presque de tacler full ce Wasta. Ouais. C'est intelligent. De toute façon, il savait qu'il jouait contre un FK. Ouais. C'était logique de jouer fuite. C'est bien fait. Alors, on a le tonneau qui va pouvoir un petit peu attirer Katsugaru. Un petit peu Ouais. le. Et on Ah, mène en full l'épouvante, non. repousse. Ouais, ça fait 3 tours maintenant que Hésiode éloigne à chaque fois Katsugaru du combat. Et on va continuer à profiter de la zone. Regarde ça, les dégâts que passent Aïe ce aïe 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 Sacré-Cœur. aïe, on va avoir un kill, regardez. Non, 444 points de vie, Bah, des tours 5 PA. assaut, je pense que ça devrait suffire. Non, Ah, au-dessus des double 4, c'est kill. encore Ah, mieux. j'avais pas vu les points de vie de l'Eka Flip, je regardais surtout ceux du Feka et du coup double kill problème. Ah non, il reste 2 PA, non, pas double kill. Yoki. Mais ça va suivre sans doute. On va le placer en ligne de vue. Ah bah il meurt avec le. C'était quoi? C'était une récap sûrement? Récap, ouais, on voit un Probablement. début de récap qui a eu les deux premiers jets. Ouais. On est intel, mais bon là. On est en 4v2 et ça va être la victoire du coup de Pushkotorep. Contrairement à ce qui. Au pronostic un petit peu du chat. Mais bons dégâts quand même, regarde ça, des très Ouais. très jolis bluffs, parce Ouais, qu'on c'est avait la ça, hein. roulette.
Même Franchement, le des très Sanhedain, très jolis bluffs, hein. ouais, même le Sanhedain, il joue un mode un peu terfeux. Et il a, du coup, il a placé des grosses ronces agressives dès le début. Et ouais, comme j'ai dit, enfin, genre les K-flips, du coup, en fait, ce qui s'est passé, du coup, pour revenir un petit peu au début du combat, le panda il jouait premier. Et sur cette map, il a pu choper directement quelqu'un. Sauf que le problème, c'est que c'était les K-flips adverses qu'il a chopé, qui jouait assez vite dans le combat. Avant les K-flips, il y avait que leur propre K-flip qui jouait. Sauf que le sacrifieur a directement sacrifice cash. Du coup, il pouvait pas éroder la personne qui avait été isolée. Et il a décidé de rush. Il a foncé sur le zombal adverse. Et du coup, il s'est retrouvé tout seul face à trois adversaires. Et il a pris les dégâts du sacrifieur. Enfin, non, pas du sacrifieur, pardon. De l'Ekaflip, il s'est fait éroder cash. Il a Il a pris pris une un grosse mascara. aggro. Enfin, bref, Ouais. il a pris très très cher. Et je pense que c'est ce rush un petit peu mal préparé, peut-être, qui les a mis un petit peu mal dans ce combat. C'est jamais évident, honnêtement, c'est jamais évident de venir chercher un Un bon bon tempo de rush, ouais. rush Ouais. avec un Faker Gravita. C'est pas évident, ouais. D'ailleurs, encore hier soir, j'en parlais, j'étais vachement étonné pour ceux qui regardaient l'Hécatombe, le match Énergie contre Brumaire. En général, la team Faker Sram, c'est plutôt celle qui va chercher à attaquer, surtout quand tu joues contre un steamer. Donc, pour moi, c'est quand même celle qui va tendre un rush parce que la team en face va tout faire pour ne pas trop approcher un perso et pas se faire gravita, quoi. Ils ont eu la chance à chaque fois que leur adversaire leur offre cette opportunité, c'est-à-dire de trop s'avancer. Derrière, on se prend une gravita et derrière, on isole. Mais là, ça a complètement rien à voir avec le combat. Je m'égare un petit peu. Mais normalement, c'est une compo qui a besoin de rush, qui doit préparer vraiment intelligemment ce rush-là avec l'initiative, etc. Et c'est plus simple avec le SRAM qu'avec les K. Parce qu'avec le SRAM, tu peux placer un double avant, tu peux être sous un vie et surprendre un petit peu. Genre en un vie, t'as encore venir tout détacler, rentrer au milieu et puis claquer le tacle avec les faux vaments. Et enfin voilà, c'est quand même plus simple avec un SRAM, à mon goût. Avoir probablement le kill du panda qui va suivre. Alors, on nous dit dans le chat que le combat de la team d'Alifek qui sont en 2v2. Je suis en train de regarder vite D'ailleurs, fait. Penta, je viens de me rendre compte, là actuellement sur l'overlay, tu montres le chat Twitch. On peut pas Oh voir. mince! Oui, t'as raison. Bah, Ouais. voilà. Pardon. C'est un petit peu tard Personne me l'a maintenant. dit. Personne me l'a dit. Il faut nous le dire, n'hésitez pas à nous gronder. On accepte la critique. Ah Y'a oui, pas bah de oui, mais du soucis. coup vous avez tout le combat sans le canal combat, les gars. Et les pauvres. Pourquoi Bon. personne me l'a dit? Putain, mais t'as 12 voix. Ah là là. Ouais. Alors, le Un combat combat qui va très compliqué. s'achever, à présent on est en 4v1, Lunette qui a 500 points de vie. Il met un petit coup de plume, un joli coup de plume mobile. Et le combat qui va s'achever très certainement. Alors, est-ce qu'on mettrait les double bullish ou les coups de cac? Je crois qu'il a. Ouais, les bullish. La libé? Non, les bullish, c'est bien joué. On préfère les bullish. Alors, je ne sais pas comment s'appelle cette équipe. C'est la team Push Cotorep qui l'emporte sur la team Rush is Coming en 4-0 d'ailleurs, 13 tours, 51 minutes. Bravo à eux. On va Pas passer rapidement dégradante. sur le match du coup d'Alifek hein, qui était avec moi en début de soirée pour m'aider un petit peu à commenter et qui du coup se retrouve apparemment en 2v2. Et je crois d'ailleurs que c'est le dernier match en plus de la soirée. Du coup, la team d'Alifek qui est la team Slash Ping qui joue en bleu. Et du coup. Le jeu est cassé chez moi, le jeu est cassé, j'ai absolument toutes mes interfaces qui sont grisées, je ne suis Ah mince. pas en... ne réponds pas, mais j'ai toutes mes interfaces qui sont grisées, mais c'est génial! C'est embêtant ça, dis donc. J'ai des coréco, y'a pas de soucis. Alors qu'est-ce qu'on a? On est en 2v2 donc côté Free Bowis, la team. J'ai bien mis les bonnes couleurs. Oui, c'est ça. Côté Mais... Free Bowis, il reste plus que Sacrieur Zobal. Et côté Slash Ping, donc la team d'Ali Fake, il reste plus que Sadida et Xelor. Avec un Xelor qui est bien mal en point, 1200 points de vie. En face, du coup, c'est plutôt le Sacrieur qui est mal en point, 1300 points de vie. La folle est en jeu. Potentiellement avantage à cette team Sadida, tant que la folle est en jeu, c'est tellement un gros avantage. Ah non, pardon, oui, c'est le match de demain. Oh là là! Purée, heureusement que vous suivez dans le chat.
pardon. Sortir de fait... PPP. C'est alors, attendez, la team d'Adifex, c'est la team qui est. Inator, attends, je te... c'est bon, je vais te donner tout ça. Alors, Inator. Y a pas de calendrier sur Inator ? Ronde 1, d'accord. Alors, ronde 1. C'est pas de co en bleu. Voilà, c'est ça. Pas de co en bleu. Hop, je change ça tout de suite. Pas de co contre les Team Merguez. Voilà, c'est ça. Le bon petit nom des familles, Team Merguez. Exactement. Histoire de me donner encore plus faim. Merci, Eisen, hein, de suivre un petit peu. Je vais te nommer secrétaire. D'ailleurs, pour Saucisse, c'était. C'était Saucisse qu'on. Non, c'était. Alors attends. Non, oui, c'était Saucisse qui disait que c'était pas grave qu'on ait les. Qu'on n'ait pas mis les. Oui. Le chat combat, mais en fait, ça nous gêne quand même un peu parce que. Enfin. Souvent, les équipes vont, plus le tournoi avance, chercher à regarder un petit peu comment joue leur adversaire pour un peu trouver leur stuff, comment ils jouent leur ini, comment ils jouent leur manière de jouer, etc. Et bah, c'est quand même plus sympa hein, que le chat de combat. Oui, c'est sûr. C'est pour vous. Donc, du coup, on s'excuse là-dessus. Mais bon, Pata ah. était tout seul. Il était tout seul, le pauvre. Alors. On est toujours en 2v2. On a un sacré Tyanos qui est descendu à 639 points de vie. On a une sacrifiée ouais. qui va lui affliger encore pratiquement 200 points de vie. Non mais enfin cette fin de combat elle va se résumer par ça, la folle. Je pense que c'est elle qui donne l'avantage à la team bleue. 254 on a. 200 points de vie. Oui, on a un Zobal qui va pour mettre des boucliers sur ce. Bon, en fait, ils vont pouvoir tenir un peu cette équipe, cette team merguez. Mais ils peuvent plus gagner, je pense. Ouais, je pense aussi. Ils ne peuvent plus gagner. Ils ont quoi à tenir, mais. Bah, le truc, ouais, ils ont pas vraiment de soin. Le sacrifié n'avait pas soin. Alors qu'en face, bah, tu as un. C'est Dia qui a l'air d'être peut-être un petit. J'ai pas suivi ce qu'il a fait là du coup. Oui, gros jet feu des fraudes boosts. Donc le Sadia est à l'équipe, donc ils ont encore un peu de soin. De toute façon, le Sadia il peut soigner même s'il n'est pas à l'équipe. Alors qu'en face, bah, à part les points de bouclier, c'est pas. Ils peuvent pas soigner vraiment. Pas de vilain, le Xelor. Ah, le Xelor qui va râler au maximum à les empêcher de jouer et laisser le Sadi faire son jeu tranquillement, je pense. On va chercher les debuffs carrément sur la transe. C'est bien joué. Regarde, on perd les boucliers de la transe et le Sadi. Il va pouvoir le kill même. 127 points de vie, 35 points de vie. Ah, non. Ça passe à rien. Si, ah, si, le cadran. Si, le cadran. Et oui. Et ouais, et du coup, 2v1. Ben, ouais, 2v1. Ça va être la victoire du coup de Padko. En tout cas, un combat qui aurait été serré. Hein. Voilà, on n'est plus qu'en plus que deux joueurs. Ce sera certainement. Ça se terminera sur un 2-0 en. Ouais, ça dépend du Zobal. Tour, je pense. Je sais pas si elle plastron. Ouais, c'est vrai. Après, il y a toujours un peu le debuff éventuellement. En tout cas, ça se félicite. Les gens sont. Ouais. Apparemment, les joueurs sont contents hein, du match. Hein. Je pense que ouais, effectivement, ça devait être un très beau match. Et nous, on aime voir deux équipes qui se félicitent et qui se, ouais, qui se félicitent tout simplement. Bah, c'est vraiment agréable. Globalement, là, sur tous les matchs qu'on a pu voir ce soir, les joueurs se sont toujours félicités, ont apprécié un petit peu le match, plaisanté un petit peu. Plutôt une bonne ambiance hein, sur ce début de tournoi, pourvu que ça dure. Alors, les apathies qui sont placés sur Mads Vilain. Mads Vilain, oulala, ce pseudo qui veut faire réagir son adversaire quand même. Hein. Il joue Xelor, on peut comprendre. Alors, il avait la zone téléfrag, il cherche d'accord plutôt comme ça. Ah, les ralentissements qui passent pas très bien, on a 83 esquives sur le Shader. Le petit coup de marteau steamer. C'est un cas qu'on commence à revoir. De plus en plus, il a été boudé pendant 5 hein. Ouais, il a quand même été surjoué. Hein. Il a été surjoué en Lenny, les Lenny jouaient tout le temps ce cac, les EK jouaient tout le temps ce cac. Après, on a eu la refonte des caractéristiques qui ont fait que on voit moins d'EK en bluff et plus d'EK en terre-air. Des modes un petit peu similaires au SRAM. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu perdu le marteau steamer, mais ça reste un très bon cac, hein, des jolies résistances, des bons dégâts également. Ouais.
Après, il est devenu un petit peu plus compliqué à FM, vous l'avouez aussi, il n'y a pas de cul là-dessus, les critiques qui n'ont plus que 10 de poids. Alors, on va chercher les petits soins pour s'assurer le 2-0. Ouais, le The Ball qui subit, malheureusement. Et là, c'est le jeu, ça dit. C'est dur. Alors, lui qui adore, je l'ai pas vu placer son plastron. Peut-être qu'il a placé son plastron ce tour-ci. On n'a pas les CD. Il y a trans, il y a deux tours. Regarde, non, ok, passe psycho. Il n'y a pas de plastron. On va chercher la boliche, une deuxième boliche très certainement. Voilà. Pour descendre au maximum les points de vie. On a 2799 points de vie sur le Cador. Est-ce qu'on va réussir à placer? C'est difficile, hein, pratiquement 2100 points de vie. On a un Xelor qui met quand même des dégâts corrects. Oh, t'as raté un truc, t'as raté un Xelor en nébuleux. Alors, c'était sur le match, enfin, c'est le Dome Animation qui a streamé. Ouais. Nous, on est arrivé après le tour 3. Il a fait un tour 3 nébuleux, il a quasiment one burst le ça. Il a fait des rayons obscurs à 1200. Ouais, 1000. Ouais, bah. C'est marrant que tu me dis ça parce que tout à l'heure, juste avant de passer, on était en collègue Vlad et puis Vlad, pareil, hein, il le joue en épi full terre. Je dis, mais qu'est-ce que tu nous fais avec ce mode là? Et je vois les rayons obscurs à 1000, je fais ok. Ok, d'accord. C'est assez impressionnant. Hein. Alors, on vient mettre les petits coups des types, on joue safe cette fin de match. De toute façon, l'écrasante qui n'est plus possible, ils ont raison. On va s'assurer le 2-0. Ce serait dommage de perdre un petit peu de points là-dessus. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Le The Ball qui aurait les PA pour mettre un plastron. Hein. Le petit masque de classe et le plastron qui pourrait passer. Après, c'est un tour, il mettrait pas de dégâts, mais de toute façon. Soit il met le plastron et il fait un petit peu durer, soit il met simplement des dégâts, mais ça pourra jamais suffire. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir? Il passe en masse de classe, on se dirige vers un plastron. Le plastron qui est fait. Le petit coup critique qui passe bien, 1200 points de bouclier. On est taclé, on fera rien d'autre. Voilà. Alors, la fuite qui proc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait essayer de debuff directement ce plastron. Ah oui, le mec lâche rien. Eh oui, Bah, il a bien raison. Jusqu'au bout. Exactement, moi j'aime bien les gens comme ça qui se battent jusqu'au bout. J'aime pas les gens qui font durer bêtement, mais j'aime bien les gens qui se battent jusqu'au bout. Ce sont des jusqu'au boutistes. Exactement. Jusqu'au boutistes. C'est pas fini. Allez. Alors, est-ce qu'on mettrait la DDF? Pour 485 points de vie, je suis pas sûr que la ronce insolente soit complètement morse. Ils vont quand même avoir des petits soucis hein, pour tomber The Ball parce qu'il va enchaîner ses CD. Il va enchaîner ses défensifs, le Sadik qui se joue apparemment full feu et type, on voit ça. Hein. Ouais. Ça devient quand même de plus en plus rare les Sadik et type. C'est vrai, c'est vrai. On a. Ouais, le Sadik haut. Ouais. Bon. Ceci dit, ce soir on a streamé pas mal. Ah non, on a streamé un, deux Sadik qui étaient à l'étip, les deux premiers matchs, ils étaient à l'étip tous les deux. Ouais, d'accord. C'est. Actuellement, il y a deux écoles. Il y a le Sadi full haut, comme on a pu le voir à l'hécatombe. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo. Il y a des Sadi qui arrivent à placer des 900 au Sacrifice Poupesque. Hein, si, ouais, c'est bien. Avec une compo Oza, avec un état affecté d'une folle qui a infecté trois personnages de l'équipe adverse qui est full protection. Un Sacrifice Poupesque à 950 sur toute la team, ça fait très 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 mal. C'est clair. On a les Sadi aussi comme Aza qui joue avec. Beaucoup trop de retrait. Ouais. Beaucoup trop de retrait. Et là on vient d'avoir une belle petite synchro à 1400. Et on a eu également une très grosse synchro ce ouais. soir. Le match qui va s'achever là-dessus. Ouais. Je crois que c'était, je sais plus si c'était le premier match ou le deuxième match. C'était sur le premier match. Non, sur le deuxième. Sur le deuxième on a eu une synchro sur deux persos qui est tombé à 2500, 1800. C'était boosté ouais. à 1200%. Ça fait bien mal. Et du coup, victoire de la team Patco sur la team Merguez en 2-0, 17 tours et 50 minutes. Bravo à la team d'Alifake. Alifake qui va pas tarder à nous rejoindre d'ailleurs sur le stream pour assister au tirage de la ronde 2. C'est dommage qu'on ait pas pu rejoindre avant ce match parce que. Je...